Je suis aujourd'hui avec Émilie, donc et invitée sur ma chaîne, et puis voilà, ce sera aussi sur sa chaîne YouTube. Donc bienvenue à tous ceux qui nous suivent quasiment en direct ou qui nous suivront par la suite. Et on a eu cette idée, voilà, on se connaît depuis peu avec Émilie, de vous proposer une chronique de santé, enfin santé, bien-être, les entretiens du bien-être, dans laquelle eh bien, on met en commun nos compétences et nos expériences dans le domaine de la santé physique, psychique, spirituelle, pour répondre à des questions que vous posez. Et donc, comme premier sujet sur lequel on était tous les deux bien motivés et on avait envie de vous en parler, c'était la migraine. Émilie, tu veux te présenter un petit peu, du coup, puisque les gens te connaissent peu pour l'instant? En effet, je démarre. Bonjour à tous. Donc, je suis Émilie, naturopathe vitaliste. J'ai fait l'école Marchessault d'Argères. Voilà. Marchessault, c'est le père fondateur de la naturopathie en France. Une très belle école qui a permis de m'enseigner donc la naturopathie. Voilà. La naturopathie, je peux vous la présenter en deux mots si vous voulez. C'est une méthode globale, holistique, qui permet de garder la santé ou de la retrouver quand on l'a perdue. Voilà. Donc je cherche un petit peu mes mots, excusez-moi, je suis un petit peu émue. La naturopathie, elle fonctionne avec 10 techniques naturelles principalement, qui vont vous permettre de déclencher en vous le mécanisme de l'auto-déguérison. Voilà. Donc, en aucun cas, le naturopathe va vous soigner. C'est vous qui êtes acteur de votre vie, de votre santé. Et le naturopathe apportera simplement des outils. Très bien. Alors, donc la migraine, on s'est dit, bon, ça pouvait toucher beaucoup de monde. Et souvent, ce que je constate, c'est que c'est quelque chose qui est chronique chez les gens, c'est-à-dire c'est pas forcément constant, mais c'est voilà, toutes les semaines, tous les mois, et ça revient. Et les personnes se sentent assez mal par rapport à ça. Avant qu'on en vienne aux causes psychiques, voire spirituelles, quelles sont les grandes orientations d'un point de vue physique que, en tant que naturopathe, tu souhaiterais nous partager sur les, voilà, les causes et peut-être déjà, enfin, les causes, un peu l'analyse de qu'est-ce qui se passe dans le corps et éventuellement des remèdes. Alors, en effet, on pourrait trouver multiples causes pour le problème de migraine. En revanche, on s'apercevra toujours qu'il y a toujours la cause des causes. Quand on remonte vraiment à la cause des causes, on s'aperçoit que, en gros, c'est une pollution que l'on va faire rentrer en nous. Donc, ça peut être des pollutions internes comme externes. Alors, les pollutions internes, ça va être principalement l'alimentation, qui n'est pas spécifique à l'homme. Ça peut être aussi donc le tabac, l'alcool, des prises de médicaments, plein de choses dans ce genre-là. Et puis les pollutions externes, ça va être plutôt l'air que nous respirons, le stress, l'anxiété, parce que dans cette vie, dans cette société, on est vraiment assez stressé. Et puis en pollution externe, vous aurez aussi par exemple les ondes électromagnétiques hein, qui sont de plus en plus présentes. Oui, ça on peut le voir. En tout cas, les personnes un peu sensibles peuvent le voir quand elles ont un portable à l'oreille, ce qu'évidemment on ne vous recommande Tout à pas. fait, ça chauffe, ça Utiliser chauffe. plutôt le sans fil, voire téléphoner via Internet avec des câbles et pas avec Wi-Fi et tout ça, mais Tout à fait, mais ouais, il faut le suffit quand. sentir. C'est vrai, il suffit d'ailleurs quand on veut se brancher à une box. Quand on est en ville, quand on regarde le moteur de recherche, on est souvent très impressionné parce qu'il y a des connexions tout autour de nous, quoi. Il y en a partout. Donc voilà, donc toutes ces pollutions, en effet, elles vont dérégler notre corps. Et donc, on peut avoir en effet des migraines. Alors, toutes ces causes, elles vont, au bout du compte, toutes ces pollutions, elles vont faire qu'on va avoir des problèmes circulatoires, des problèmes nerveux, des problèmes endocriniens au niveau des hormones. Ça peut être aussi des problèmes de cycle menstruel pour les femmes, des allergies, des intolérances alimentaires, etc. Donc, tous ces problèmes, finalement, peuvent causer des migraines. Voilà.
Donc, par rapport à ces premiers éléments, peut-être que les personnes pourraient donc essayer, si elles changent l'un des paramètres, donc je ne sais pas, changer une alimentation qui ne serait pas bio, essayer d'enlever le Wi-Fi, de voir comment ça se passe quand elles sont à la campagne, de diminuer leur niveau de stress, ce serait peut-être ça la première recommandation qu'on pourrait leur faire par rapport à ça. Alors oui, tout à fait. Il y a plein d'outils et de bon sens finalement. Le bon sens, finalement, on s'aperçoit que c'est ce qui va nous permettre d'enlever cette migraine. En revanche, je vais vous donner des petits conseils si vous voulez, mais il faut quand même savoir qu'on est tous différents et suivant notre tempérament, notre mode de fonctionnement, notre taux de vitalité. Et puis aussi notre volonté, bien entendu, chacun ira à sa vitesse. Voilà. Donc, Ça va même plus loin. Enfin, on en parlait un petit peu hier en préparation de la vidéo. C'est que, alors, en tout cas, la façon dont tu fais la naturopathie, c'est pas comme les vidéos qu'on voit souvent où il y a quelque chose d'assez binaire, quoi. Tout le monde va pouvoir aller mieux avec ça. Tu as quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on pourra parler, mais c'est les différents profils en fait, que les personnes puissent se reconnaître et voir quelles. Disons, quelle méthode de santé leur correspond de plus. Moi, j'ai notamment vu à travers différents auteurs et livres que, par exemple, le jeûne, ben, on ne va pas pouvoir rentrer dedans avec la même intensité, voire pas pouvoir rentrer dedans du tout pour certaines personnes, en fonction, comme tu le disais, voilà, du niveau d'énergie, du niveau d'encrassement du corps. Et donc, tout à fait. ouais. Alors, c'est pour ça qu'en naturopathie, on propose des bilans de vitalité qui finalement nous permettent d'évaluer la vitalité de la personne et aussi son taux d'encrassement, sa surcharge Comment on des pourrait dire ondes. du coup, parce que ça semble hyper intéressant. Quels seraient les premiers symptômes d'une personne ayant une bonne vitalité et un faible taux d'encrassement ou inversement? Il y avait cette idée de faire jeûner 3 jours la personne, mais du coup c'est un peu extrême. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour. Pour faire jeûner la personne, Non, pour savoir un peu voilà, le niveau de vitalité, du coup oui. quelle restriction, quelle difficulté on va pouvoir ajouter sur le corps pour qu'il se transforme? Comment tu évalues ça en quelques phrases? Au niveau de bilan de vitalité, en fait, on va poser plein de questions au niveau de l'hygiène alimentaire de la personne, de son hygiène émotorielle, musculaire, si elle bouge bien, si elle fait du sport, comment est-ce qu'elle dort. Au niveau des émonctoires, ça va être les émonctoires sont les organes éliminateurs, donc les intestins et les reins principalement. Donc si elle va plusieurs fois à la selle par jour, Autant, comment oui, est-ce qu'elle. d'ailleurs, autant que de repas, quoi. Donc, je pense Tout qu'il y a à très peu de fait. personnes quand sont à ce niveau de vitalité. Tout à fait, ouais. Ça Une donne personne un qui bel a. objectif, en tout cas. C'est vrai. Devrait avoir un bon transit, en fait, c'est aller à la selle normalement autant de fois que l'on mange dans la journée. Donc voilà. Voilà. On a souvent, je pense, des intestins assez paresseux qui là aussi, du coup, bah, comme tu le disais, quoi, il peut y avoir des accumulations, des fermentations. Et donc après, des toxines qui se baladent un peu et qui peuvent, entre autres, nous donner mal au crâne. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, comme on le dit de plus en plus, et ça, on le sait, on n'a plus besoin de le démontrer, on dit bien que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Oui, Voilà. oui. Donc, c'est sûr que si la tête est bloquée, très souvent, l'intestin est bloqué. Et c'est souvent l'intestin qui est bloqué en premier qui bloque la tête. Voilà. Donc, d'où l'intérêt quand même de travailler vraiment sur les problèmes digestifs. Oui. Et on va progressivement rentrer dans la partie psychologique qui nous intéresse aussi, hein, parce que ceux qui sont habitués à mes vidéos de décodage, voilà, il y a des correspondances qu'on fait entre ce qui se passe dans notre âme et ce qui se passe dans notre corps. Mais je trouve qu'il y a un autre point qui me semble central de façon générale dans la santé qu'on évoquait hier, et tu parlais de la qualité du sang, et je trouvais ça vraiment. Disons, moi, je ressens intérieurement depuis des années que la santé est liée à la vie qui passe en nous, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de faire des choses, est-ce qu'on a goût à se lever, est-ce qu'on a et que c'est un peu comme une turbine en fait qui fait. On en parlait aussi de cette métaphore de l'eau qui stagne ou de l'eau qui bouge. Et voilà, est-ce que notre vie bouge ou est-ce que notre vie stagne? On parlait un peu de ça et comment là aussi en fait, quand il y a stagnation, eh bien il y a accumulation de choses toxiques et éventuellement migraine. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de ça, à nouveau? Et comme disait Marchessault, finalement, le bon sang fait le bon sens.
Voilà, donc si vous avez un sang propre, automatiquement, vous allez mieux apporter de l'oxygène et des nutriments à votre cerveau. Parce que là, on parle de la migraine. Et donc, vous allez aussi mieux faire circuler et drainer les toxines vers les sorties, vers les émonctoires. Donc, plus vous aurez un sang propre, plus vous aurez un sang fluide, moins il sera surchargé, plus vous aurez le bon sens, donc la lucidité, finalement. Voilà, si je peux expliquer ça en quelques mots. Puis bon, tu l'as très bien expliqué au niveau de l'eau, hein, quand, bien entendu, on voit plus facilement une eau dans un ruisseau qui bouge, qui est drainante, qui est vivante, qu'une eau qui stagne dans un marécage où on, automatiquement, on apporte après des microbes, des bactéries. On dit bien d'ailleurs que le terrain est tout et le microbe n'est rien. Voilà. Voilà, donc on est, comme vous pouvez le constater, c'est des entretiens assez libres, voilà, amicaux, qu'on vous propose. C'est pas, à la fois, c'est un cours parce que tu vas nous apporter beaucoup d'éléments et je vais aussi vous apporter des choses sur le symbolisme du corps. Mais c'est aussi, on a voulu quelque chose de convivial, un petit peu, voilà, comme si on était en famille, tranquille chez vous ou chez nous, si vous préférez après chez nous. Mais voilà, quelque chose de convivial. Et ça m'amène à une autre question, puisque donc on est un petit peu dans la découverte de la naturopathie, puis de toutes ces règles de bon sens, mais qui ne sont pas toujours si évidentes pour tout le monde. Sur la quantité d'eau à boire, tu en parlais dans tes toutes premières vidéos là, que tu as faites. Et donc, on peut se demander, voilà, est-ce qu'il y a une quantité d'eau idéale à boire, justement, peut-être pour fluidifier le sang, pour diluer les toxines, ou est-ce qu'on risque... Ou est-ce qu'inversement, si on boit trop, on risque de surcharger les reins, de leur donner trop de travail? Même on pourrait pousser jusqu'à se demander de quelle couleur devrait être l'urine, c'est-à-dire que plus on va la diluer, plus elle va être claire. Qu'en penses-tu? Alors, comme je te disais tout à l'heure, boire de l'eau, c'est évident que c'est très important. Souvent, on a des migraines, les petites migraines, quand elles ne reviennent pas régulièrement, c'est souvent parce qu'on est déshydraté. Donc, l'eau est importante en effet. Voilà. L'eau est importante en effet. Il faut comprendre que l'eau va nous permettre de drainer nos toxines. Donc, bien entendu qu'il faut boire. C'est important de boire une eau de qualité. Oui. J'en parlais dans mes premières chroniques du bon sens. Hein, donc, pensez à boire de l'eau faiblement déminéralisée pour qu'elle puisse être happante au maximum et qu'elle puisse emmener les toxines avec elle. Boire, c'est important. Les quantités, j'ai envie de dire entre 1 litre, 2 litres peut-être. Ça dépend. Si par exemple on est végétarien, on boit déjà énormément d'eau rien qu'à travers les légumes et les fruits. Quand on boit des soupes, etc., des tisanes, ça fait partie de l'eau. Même si je vous conseillerais quand même vivement de boire un maximum d'eau, tout simplement. Après, boire en grande quantité, c'est pas forcément bien, ça dépend encore de chaque individu. Une personne qui va avoir par exemple des problèmes au niveau des reins, qui va avoir des reins fatigués, bien entendu qu'on va pas s'amuser à surcharger ses reins. Comme disait Marchais. Un symptôme ou deux. Souvent. Ça se voit, oui, les cernes. Alors, au niveau des reins, on fonctionne beaucoup avec les cernes sous les yeux. Hein. Ouais. Quand on a des poches. Des poches d'eau, là. Plus les poches sont sombres et grandes, plus la personne a des reins fatigués. Alors, généralement, oui. On va dire que c'est une tendance parce que ça dépend de la personne et il y a plein d'autres facteurs. Mais généralement, bon, si on urine peu, si on urine très, très foncé le matin, ça va. Mais si on urine très foncé toute la journée, on peut se poser aussi des questions. Oui, vraiment. Oui. Bon, voilà, il y a plein de choses. Mais déjà, rien que la poche sous les yeux, ça indique qu'on a une rétention d'eau, hein, que les reins ont vraiment eu du mal à éliminer. D'accord. Donc c'est important, donc la quantité d'eau, donc je vous en parlais, mais encore une fois le bilan de vitalité est intéressant parce que on voit si la personne a cet émonctoire, ce rein qui fonctionne bien ou pas. Et puis boire en dehors des repas aussi c'est très intéressant parce que quand vous buvez pendant les repas, vous allez surcharger la digestion, vous allez diluer les sucs digestifs et bien entendu vous allez alourdir la digestion. Vous allez davantage consommer de l'énergie et fatiguer votre corps. Et puis, moins bien assimiler aussi. Donc, idéalement, au moins une demi-heure avant le repas. Voilà, c'est ça. Idéalement, c'est au moins une demi-heure avant. Et après le repas, c'est 2 à 3 heures ou même 4 heures. Si on a mangé des protéines. Ouais.
C'est-à-dire, si on mange des fruits, on peut en boire en même temps et même se prendre une tisane avec les fruits quand, par exemple, on a un tempérament, on est très frileux. Ça, c'est intéressant parce que les fruits, il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas manger de fruits parce que j'ai trop froid. Oui, mais c'est qu'on a un tempérament finalement neuroarthritique, donc on est assez frileux, donc on a besoin de chaleur. Ça, c'est une petite technique, par exemple, de boire des tisanes, du chaud, prendre un bain chaud quand on mange des fruits. Mais sinon, voilà, l'eau en dehors des repas, c'est très, très, très important. Alors, chaud Et ou puis, froid, d'ailleurs, oui. mais moi, j'ai envie de dire, si je pense au bon sens, j'ai envie de vous proposer de la boire la plus naturellement à température ambiante, parce que notre corps est à 37 degrés. Et donc, l'eau va se réchauffer à la température du corps. Donc, si vous prenez une eau très, très froide, ben, vous allez consommer l'énergie pour la réchauffer et agresser un peu le corps. Et puis, si vous la prenez très chaude, il va falloir aussi diminuer cette chaleur. Donc, température ambiante, moi, je trouve que c'est très bien. Jamais très, très chaud, ça, c'est sûr. Wow, une tisane, une température correcte, sans se brûler, c'est parfait. C'est encore une fois du bon sens. Et puis aussi, il faut écouter son ressenti. Ça, je pense que c'est important. Il faut se recentrer. L'homme s'est trop éloigné de son milieu naturel. On fait trop en fonction de la publicité, des candy racontons, des croyances limitantes. Et surtout, recentrons-nous sur ce qui est bon pour nous et marchons avec notre intuition et notre ressenti, ouais, je pense. Alors, Et puis, dis-moi. excuse-moi, je voulais juste revenir sur quelque chose. Quand tu me parlais pour les migraines, que c'était bien de boire, il y a une chose aussi qui est quand même très, très importante dans l'alimentation, quand on a vraiment mal à la tête, c'est de réduire les surcharges. C'est-à-dire, avant d'essayer de trouver des méthodes de revitalisation, alors je vais prendre ça, je vais prendre, je ne sais pas moi, je vais prendre une vitamine en plus, je vais prendre du magnésium. Ben déjà, avant de revitaliser, ça serait déjà bien, comme on parlait justement tout à l'heure de la qualité du sang, de se nettoyer. Donc, c'est la détox. On en parle beaucoup de la détoxination. Finalement, c'est quoi? La détox, c'est quoi finalement? C'est assécher la source des surcharges. Donc, on va déjà arrêter de rajouter dans notre corps de la quantité de nourriture. On va plutôt privilégier la qualité et donc la réduire. Alors, la réduire, tu vas me dire, mais alors comment est-ce qu'on la réduit? Combien de quantité on mange par jour, etc. Ben encore une fois, ça dépend encore de la personne. Donc, tu as des personnes à qui tu vas conseiller davantage juste un régime restrictif où on va proposer de dire, on va dire, bon, allez, on va enlever le pain quand même, là, ou les céréales, ou on va privilégier un régime à base. Je ne sais pas, plus de fruits ou de légumes cuits ou crus, etc. Et puis, suivant les personnes, si elles ont plus de vitalité et puis plus de volonté, puis il y a peut-être plus d'urgence aussi, on va proposer des diètes comme des monodiètes. Alors, on va proposer de, par exemple, prendre un repas par jour d'une seule catégorie d'aliments. Par exemple, un repas de fruits. Et puis, on pourra aller aussi jusqu'au jeûne. Alors voilà, le jeûne, on en parle, le jeûne sec, le jeûne humide, le jeûne mixte. Alors tout ça, en effet, c'est à définir en fonction de la vitalité de la personne et puis aussi de la nature de ses surcharges. Voilà, savoir si elle a plutôt des cols ou des cristaux. Plus la personne a des cernes, moins on va la faire jeûner de façon intense, c'est ça. Moins on va lui faire des restrictions. Si on veut vraiment résumer en une phrase. Hein, C'est dur, hein. C'est dur, hein, parce que. Personne peut avoir beaucoup de cernes, mais si elle a beaucoup de vitalité et elle a un tempérament, un bon tempérament, on va pouvoir, et qu'elle a la volonté, et qu'elle a aussi, par exemple, fait des monodiètes, elle a déjà sauté des repas, ou elle a déjà fait des jeûnes, et qu'elle a vraiment la volonté, Oh, on dans ce pourra cas-là, on va sans pouvoir. problème faire un jeûne. Hein. Mais par contre, bien l'accompagner, bien entendu. Parce qu'un jeûne, rappelons-le, il n'y a pas que le jeûne qui est important, c'est pas s'arrêter de manger. Dans l'importance du jeûne, c'est surtout la descente alimentaire, c'est y aller progressivement et bien. Et puis aussi la reprise alimentaire qui est très importante aussi. Souvent, les gens font des jeûnes et tout d'un coup, quand ils ont décidé de sortir du jeûne, ils vont aller au restaurant, par exemple. Ça, c'est vraiment dommage. Tant d'efforts. Ouais. Alors, ben, venons-en justement à un petit peu la symbolique de la migraine. Donc, on en parlait ensemble hier. On a différentes zones du corps. Et donc, on a, de façon claire, on a les pieds sur terre.
Et puis, on a le crâne qui est un petit peu comme la voûte céleste au-dessus de nous. Donc, on a une sorte de gradient des pieds à la tête, du plus terrestre et matériel. Hein, on parlait de l'avoir. Et puis, en haut, on a plus l'être. Hein, c'est-à-dire que je reconnais Émilie par son visage. Si je ne voyais pas son visage, et notamment si je ne voyais pas ses yeux, je ne pourrais pas forcément dire que c'est elle. Donc, le je suis, en fait, l'identité de la personne est liée à la tête de façon évidente. Et donc, quand on a mal à la tête, eh bien, souvent, c'est en relation avec un questionnement sur notre identité et comment on va pouvoir faire germer cette identité dans le monde, comment on va pouvoir exprimer sa spécificité dans le monde. Donc, ça nous ramène aussi à différentes vidéos que j'ai faites, à la fois sur les intestins, à la fois sur le dos, parce que c'est, disons, la tête se trouve en. On a des canaux d'énergie qui arrivent à la tête, qui permettent d'exprimer notre créativité, qui sont donc les canaux d'énergie de la médecine chinoise, hein, un qui descend ici le méridien conception, et puis le gouverneur qui passe ici, et donc qui arrive à la tête. Et donc, il y a cette blague de Lise Bourbeau qui nous dit la migraine, c'est quand on a une graine en fait qu'on est censé planter sur Terre et on arrive à en utiliser que la moitié. La moitié. Donc là, c'est d'un point de vue de la psychologie, on va voir, il y a plusieurs pistes, que des questions que vous pouvez vous poser par rapport à vos migraines. Et je pense que la première grande orientation, c'est voilà, est-ce que j'arrive à mettre de l'ordre dans qui je suis et comment je l'exprime? Une expérience par rapport à ça que j'ai faite, eh bien, c'est que des fois, on a aussi besoin de lâcher prise par rapport à ça. Par rapport à la migraine, on a l'impression, parce qu'on a besoin de contrôler, ou on a peur, on se dit soit qu'est-ce que je suis, soit qu'est-ce que je dois faire, soit comment je dois penser aussi, puisque c'est quand même aussi de l'ordre de la pensée, la tête. Et donc, on est soi-même en train de structurer beaucoup les choses dans notre crâne, en fait, mais qui est notre corps mental. Et au lieu, en fait, que ça respire, que ça reste en connexion avec la vie, eh bien, on essaie de tout mettre dans une boîte. Et donc, on reste un peu dans les mêmes choses. Et donc, au lieu d'avoir la solution qui va venir parce qu'on est détaché, on est tranquille, on est ouvert, eh bien, on enferme trop les choses et on sent soi-même. C'est ça. Quand vous avez des problèmes physiques, moi, je trouve intéressant d'essayer de qualifier de façon un petit peu littéraire ce qui vous arrive et de rentrer en connexion avec la chose. Mais moi, je trouve que par rapport aux migraines, c'est quand même cette impression de vouloir trop comprimer les choses, de vouloir trop contrôler la façon dont on pense, comment je pense à moi-même. Est-ce que je m'autorise à ne pas définir complètement précisément ce que je suis, à ne pas définir complètement précisément ce que je suis? Et donc, je vais vous faire je vais vous donner une image, comme j'aime bien le faire dans ces vidéos. C'est à la fin de Jack et le haricot magique. Donc, Jack et le haricot magique, c'est donc là ces graines, justement. Jack, il a une vache au début. On en parlait un petit peu justement hier par rapport à ton chemin de vie. Tu diras après si tu veux en parler pour illustrer aussi. Mais Jack, donc c'est un paysan, j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur le dos, et sa mère lui dit d'aller vendre la vache, ils n'ont plus que ça, ils sont pauvres. Et donc cette vache représente l'aspect matériel, et il rencontre un vieil homme qui lui propose d'échanger la vache contre justement une graine. Et ce qui est intéressant, c'est que Jack accepte. Et mon interprétation, en fait, c'est que ce vieil homme représente le potentiel, on va dire aussi le moi supérieur de Jack, c'est-à-dire ce qu'il peut devenir. Tu peux devenir sage, tu peux devenir, ou ce qu'il va devenir, mais pour le devenir, il faut qu'il accepte l'échange, de perdre le connu, c'est-à-dire la vache, pour prendre quelque chose qui paraît petit, même insignifiant, qui est cette graine. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton expérience de lâcher prise, justement? Puisque je pense quand même que dans la migraine, quand même l'un des grands thèmes psychologiques qu'on va pouvoir explorer, c'est est-ce que de vouloir contrôler la façon dont je pense et dont je gère ma vie, j'arrive un petit peu à plus de détente. Est-ce que tu veux nous parler de ça ou sinon j'enchaîne? Ouais,
Je trouve que tu racontes très très bien. Je crois que tu peux enchaîner. Passionnant. Bon, Émilie... Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, je te rejoins tout à fait. Le lâcher prise, il n'y a rien de mieux. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est finalement sauter quelque part dans un trou noir où on a toujours besoin de savoir ce qu'il va y avoir derrière. En revanche, c'est dès qu'on laisse circuler les événements qui arrivent dans notre vie, c'est exactement encore une fois comme le principe du sang au niveau du corps physique. Dès qu'on laisse circuler la vie, dès qu'on laisse circuler le sang, ça draine et on est en santé. Et là, c'est exactement pareil. Dès qu'on va lâcher prise sur des événements qui arrivent dans notre vie, qu'on les accepte, qu'on les intègre et qu'on les laisse repartir et qu'on... Je pense que... Oui. Par rapport à la migraine, je pense qu'il y a souvent une impatience. En fait, on veut une solution intellectuelle à un problème qu'on rencontre. Je pense que ça peut être un problème relationnel. Ça peut être... si comme moi, vous lisez beaucoup de philosophie, ça peut être un problème philosophique. Mais bon sang, quel auteur a raison ou comment on les met en rapport les uns avec les autres? Et je crois qu'il y a de l'impatience et on confond effectivement l'intelligence type QI, de type binaire, voilà, c'est A ou B, avec l'intelligence de type ressenti, donc les intestins dont on parlait, où en fait, par notre vécu, par l'ensemble des expériences qu'on a, notre réponse, qui n'est pas forcément la réponse universelle, parce qu'on n'a pas toujours besoin de la réponse universelle qui souvent nous dépasse en complexité, mais la réponse qui va être bonne pour notre chemin de vie, se fait. Et là aussi, je pense qu'il y a une question de lâcher prise au niveau inconscient, puisque les intestins correspondent à quelque chose d'inconscient, alors que la tête, normalement, c'est la clarté de la pensée, dans le meilleur des cas, on va dire. Le bon sens, comme tu disais. Mais donc, dans les intestins, c'est un élan de vie qui est plus profond, sur lequel on a moins de maîtrise. Et bien, justement, quand on accepte qu'il y ait ce cheminement d'assimilation, mais aussi de laisser repartir les choses... qui ne sont pas pour nous, on n'a pas besoin de tout avoir, de tout connaître, de tout faire, eh bien, on aère aussi au niveau de la voie crânienne. C'est ça, tout à fait. On a parlé un petit peu de ta biographie hier, et bon, tu es très humble, mais en fait, tu as aussi souvent fait ce saut un petit peu dans le vide, de se dire, je ne sais pas où ça mène, mais je vais tenter de dire cette chose qui sera peut-être désagréable à cette personne. Tu me donnais cette expérience hier où je vais tenter de changer de lieu de vie et on verra ce qui se passe. Et en fait, avec des résultats qui ont été favorables pour toi. Tout à fait. Ouais, ouais. J'ai vraiment la même expérience que souvent, on pousse dans une direction absolument. On se dit, voilà, il faut, je le veux pour hier, ce truc. Rien que quand on dit le mot « il faut », déjà, on sait que c'est une obligation. Ça commence, la tête commence à se resserrer un petit peu. Tout à fait. Et c'est, d'un point de vue chrétien, en fait, il y a Golgotha, en fait, le lieu de la mort du Christ, c'est justement la mort du crâne, en fait. C'est comment, c'est cette croix, en fait. Et cette mort, c'est aussi cette étape ultime pour l'homme. L'homme, c'est l'être humain, man. Et man, c'est le manas, c'est le mental, quoi. Donc l'être humain se définit par son mental. Mais il devient divin justement le jour où il accepte le lâcher prise par rapport au mental. Donc, je pense qu'on est vraiment sur cette thématique par rapport à migraine. Et c'est pour beaucoup d'entre... Alors il y a des personnes qui sont très cool, je pense qu'ils n'ont peut-être jamais de migraine. Mais pour beaucoup d'entre nous, on aime bien maîtriser, on aime bien calculer les choses, etc. Et donc c'est cette thématique. Et pour continuer donc le récit de Jack et le haricot magique... Donc, il plante cette graine, il ose, en fait, renoncer au connu et renoncer à la sécurité matérielle, donc, comme on en a l'habitude avec Amélie aussi. Et il acquiert cette capacité, en fait, de passer du terrestre au céleste avec cette tige de haricot qui devient géante, un petit peu comme la colonne vertébrale, donc. Et donc, il va y aller trois fois, et il récupère des choses, en fait, dans le ciel, donc il récupère une oie qui donne, d'abord une bourse d'or, ensuite il récupère une oie qui donne des œufs d'or, et finalement il récupère une harpe d'or. Et ce qui est intéressant, c'est cette fin, donc par rapport spécifiquement à notre thème des migraines d'aujourd'hui, c'est qu'à la fin, en fait, l'ordre quand même se réveille, c'est-à-dire que les deux premières fois, il arrive à filer en douce, en quelque sorte. Mais finalement, l'ogre se réveille et le poursuit à travers, enfin, sur cette tige. Et donc Jax prend une hache, et coupe le haricot, coupe la tige géante de haricot magique. Donc là, il y a un petit peu un retournement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, eh bien,
par cette créativité qu'il a, il monte et il est sans ciel. Et il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire si cette tige lui permet d'aller au ciel, pourquoi la coupe-t-il ? Et je pense que ce que ça symbolise dans ce conte de Jack et le haricot magique, c'est exactement ce dont on parle. C'est-à-dire que, eh bien, avec son intellect, il va couper la maîtrise qu'il avait du lien avec le ciel pour entrer dans quelque chose qui est plus indéfini, mais qui finalement est plus sécur. C'est-à-dire que l'ogre va tomber avec la tige, l'ogre meurt, et je pense que justement ce dernier épisode, avant le happy end de Jack et le haricot magique, représente complètement ce lâcher-prise de se dire ben, je ne sais pas exactement, j'avais ce lien en fait avec un endroit précis où je pouvais récupérer des objets précis. Et je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'accepte, en fait, pour ne pas être dans cette obsessivité de la possessivité de ouais, « j'ai déjà la bourse, j'ai l'oie, j'ai la harpe, et je veux encore plus, encore plus, encore plus ». En fait, il y a un moment où Jack se dit, on peut en tout cas faire ce dialogue intérieur, enfin ce monologue, « eh bien, j'ai assez, et finalement, la dernière chose que j'ai à vaincre, ce serait mon avidité, mon besoin de contrôle ». Le besoin de croire que je connais le ciel et que je peux y aller quand je veux. Et je crois que donc, la dernière étape de ce conte, qui est donc profondément intéressant et spécialement pour notre sujet, c'est de dire voilà, j'accepte en fait de ne plus pouvoir aller à ce point précis, mais de m'ouvrir à peut-être bah, demain je vais re-rencontrer le magicien qui va peut-être me proposer d'autres graines. C'est une très belle histoire. Oui, elle est chouette. Alors on repasse, si tu as envie, sur peut-être un dernier thème dont on pourrait parler aujourd'hui, sur qu'est-ce que les gens peuvent faire finalement pour traiter leur migraine. Peut-être une dernière piste que tu voudrais nous partager. Alors rapidement, donc, je vous parlais tout à l'heure donc, de l'hygiène de vie. Donc, dans l'hygiène de vie, on a quatre hygiènes qui sont très intéressantes et je vous conseille fortement de ne pas isoler. Donc, vous avez l'hygiène alimentaire, on en a parlé rapidement. Hein. Mm-hmm. On baisse la source des surcharges. Et puis, il y a aussi l'hygiène émonctorielle, l'hygiène musculaire et nerveuse. Donc, l'hygiène émonctorielle, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure rapidement. Les émonctoires, ce sont des organes éliminateurs. Donc, principalement, foie intestin, les excréments. Et puis les reins, l'urine. Et puis on a deux autres organes éliminateurs qui sont des organes de sortie de secours, on va dire, mais qui fonctionnent beaucoup de nos jours. Ce sont les poumons et puis la peau. Voilà. Donc les émonctoires, c'est important de les ouvrir hein, parce que vous comprenez bien que si on a un niveau d'encrassement qui est arrivé à un point où, par exemple, on va avoir des migraines, si on veut avoir un sang fluide et le nettoyer, on va arrêter de rajouter de l'aliment, mais par contre, ça va être très intéressant aussi, et même primordial, d'ouvrir les sorties, donc de vidanger quelque part, de purger. Donc, ouvrir les émonctoires, c'est vraiment très, très important quand on fait une diète, quand on fait un jeûne, quand on veut nettoyer. Alors, les émonctoires, pour les ouvrir, alors il y a, pour faire simple, on a des plantes, hein, les plantes laxatives, les plantes diurétiques. Les plantes laxatives, il y en a pas mal, alors en fonction des personnes, mais vous avez la bourdaine, le séné, on peut consommer des graines de lin, des graines de psyllium, bon, il y a un tas de choses. Hein. Les plantes diurétiques, ça va être l'aubier de tilleul, le chien-dent, le pissenlit, la queue de cerise, il y en a encore des tas. Et puis, avec ces plantes laxatives et diurétiques, il y a une méthode qui est très très sympa, que vous n'avez peut-être pas forcément aimé, mais une fois qu'on l'a adoptée, on l'aime vraiment, c'est la douche rectale. Voilà. Est-ce que tu connais, Charles, ce qu'est la douche rectale ? Oui, j'ai trouvé effectivement que je me suis senti mieux après. Ce n'était pas spécifiquement pour des migraines, mais on ne peut pas dire que ce soit agréable, mais ça donne une impression de purification et c'est genre, extrêmement peu coûteux, puisqu'on trouve des choses en ligne pour 10 euros. C'est ça. Ouais. Donc, comment ils appellent ça des On poches, appelle ça des bocs de lavement. Oui, bocs de lavement, voilà. C'est une poche avec un tuyau et vous avez au bout une canule. Donc, on introduit la canule. Alors, on met à peu près 50 centilitres d'eau, température ambiante idéalement. On introduit la canule dans l'ampoule rectale, on parle pour l'anus. Et puis, il suffit simplement de laisser couler l'eau. Et puis d'aller aux toilettes directement. Alors, c'est tout simple. Ça permet simplement de,
de provoquer un réflexe au niveau du sphincter anal. Voilà. Donc, ça va permettre aux selles, aux excréments d'avancer. Et donc, vous allez plus facilement aller aux toilettes. Et encore une fois, comme le cerveau, l'intestin, c'est le deuxième cerveau, mais si on a une pression au niveau de la tête, ne serait-ce que de faire rien qu'une douche rectale, vous allez déjà sentir la pression vraiment baisser. Voilà. Et puis, il y a un moyen qui est quand même super pour la migraine, comme je vous parle, qui est tout simple, encore une fois, qui est du bon sens et qui est une technique vraiment naturelle. C'est mettre du froid sur la tête et du chaud, alors, aux pieds ou et sur le foie. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Parce que, encore une fois, il faut que le sang circule. Il faut que le sang soit évacué. Quand on a mal à la tête, on a une pression sanguine, en fait, au niveau de la tête. Et donc, il faut que ce sang circule et descende. Donc, le fait de mettre du froid sur la tête, vous allez simplement créer un phénomène où le froid va contracter vos vaisseaux et donc va évacuer le sang. Et si vous mettez du chaud, par exemple, sur le foie, ou sur les pieds, mais idéalement, c'est le foie, ben, la chaleur, elle attire. Donc, ça va créer en fait comme un phénomène de circulation. Ça va créer un phénomène de circulation où le sang va descendre vers le foie. Et le foie, c'est un organe émonctoriel puisqu'il est relié à l'intestin. Donc, ça va aussi permettre de faire circuler encore une fois le sang. Donc, c'est quand même un super moyen qui paraît très simple. Tu vois, là, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'allopathie. Hein. On met du froid sur la tête, on met du chaud sur le foie, on fait une douche rectale, rien que ça déjà. Beau. Beaucoup de personnes ont aussi des bons résultats quand même aussi avec la menthe poivrée sur les tempes par rapport Oui, les huiles essentielles, alors ce sont des bonnes méthodes naturelles. En revanche, dire quand on a mal à la tête, je prends l'huile essentielle et ça va aller mieux. Oui, ça va aller mieux, en effet. On touche au symptôme, en fait. Hein. Le symptôme, c'est j'ai mal à la tête. OK, donc au lieu de prendre un médicament, c'est toujours mieux. Je vais prendre l'huile essentielle qui est la menthe poivrée. Donc, tu vas, en effet, soulager ta migraine, mais si tu arrêtes cette menthe poivrée et si tu continues à avoir une hygiène de vie où tu es très stressé, où tu as des problèmes, où tu n'es pas dans le lâcher prise, où tu manges mal par exemple, bien automatiquement la migraine va revenir, elle sera chronique. Donc oui, l'huile essentielle est bien, mais encore faut-il, c'est pas elle qui va faire circuler ton sang et qui va ouvrir tes émonctoires et qui va te permettre de te libérer. Voilà. Donc Eh bien, excellent, Émilie. Je pense qu'on a partagé beaucoup de bonnes astuces et de bonnes connaissances par rapport à cette migraine. Pour finir, on peut dire que nous proposons tous les deux des séances de thérapie. Donc, les personnes connaissent mes vidéos et connaissent donc les sujets desquels je parle et donc sur lesquels je suis renseigné, sur lesquels je peux aussi les aider. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ce que toi, tu proposes, donc éventuellement comme bilan de santé, comme suivi, comme... Ouais, merci. Donc, ben, je travaille essentiellement par Skype, Messenger, en fait, par visio. On fait un bilan, je vous propose un bilan de vitalité, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, pour bien évaluer votre taux de surcharge et puis votre vitalité pour pouvoir définir au mieux une cure, un protocole quelque part qui vous correspond le mieux à travers ces quatre hygiènes. Et puis, avant tout aussi, je propose tout simplement, alors, j'ai pas envie de dire je propose une notice pour le corps, mais plutôt je vous redonne votre notice, votre mode d'emploi, parce que finalement on connaît tous comment notre corps fonctionne, mais étant donné qu'on s'est éloigné de notre milieu naturel et que dans cette société on a beaucoup de stress et puis on a beaucoup aussi de croyances limitantes, et ben malheureusement on a tendance des fois à oublier à savoir comment notre corps fonctionne. Donc je vous donnerai juste des outils et plein de bon sens. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout pour cette vidéo. Et bien, on vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres aventures de santé, de bien-être et de bon sens. Merci beaucoup, Charles, à toi. Au revoir à tous. Et à très bientôt.